Learning Management System pour les inspecteurs de CAFOP. Présentation du cours. De la nécessité d'innovation avec l'éthique, les différentes mutations qu'ont connues nos sociétés ont conduit à différentes réformes pédagogiques en fonction des contraintes sociales, démographiques et économiques. D'un précepteur par apprenant, nous sommes passés à un groupe d'apprenants autour d'un maître. Et ce groupe est allé de plus en plus croissant, de sorte à créer la problématique de la gestion des effectifs pléthoriques. Aujourd'hui, le savoir étant accessible partout et en nombre considérable, le rôle de l'enseignant et sa façon d'enseigner se doivent d'être changés, ou tout au moins s'intéresser aux outils standards de la société au sein de laquelle il exerce. Aussi, l'outil informatique et les objets connectés dont les potentialités sont décuplées par l'Internet doivent-ils davantage intéresser l'enseignant dans sa démarche pédagogique? Surtout qu'ils peuvent aussi constituer une cause de désaffection de l'apprentissage par une addiction aux réseaux sociaux et autres cybercriminalités. Les utiliser aux fins éducatives apparaît être une solution au regain de goût à l'apprentissage, ne serait-ce que par sa capacité de ludification du processus d'éducation-formation. Ce cours est très synthétique de celui de la CERTEL, la certification e-learning, cours de formation continue et de renforcement des capacités du groupe et du web. Cours organisé pendant les vacances scolaires. Ici, pour des contraintes réglementaires de temps, nous ne disposons que de 10 heures contre 50 heures prévues pour l'intégralité de la CERTEL telle que dispensée à l'UNIC. Nous limiterons donc à être très synthétiques. Pour ce faire, cet enseignement d'initiation à la pédagogie numérique dénommé Learning Management Systems, LMS, s'organise autour de 9 sections. Structuration du cours. Structure du cours. Nous avons d'abord l'introduction, la section de l'introduction. Ensuite, la section du thème 1, production de documents ou supports numériques. Thème 2, section du thème 2, usage pédagogique des ressources. La section suivante, planification d'un cours intégrant les ressources TIC. Section 4, thème 4, recherche d'informations pédagogiques à l'aide d'Internet. Section du test 5, interactions à l'aide d'Internet entre élèves et élèves-maîtres. Section du thème 6, la recherche documentaire. Section du thème 7, consultation de personnes ressources, et enfin la section de l'évaluation. Au niveau de l'évaluation, chaque section s'achève par une évaluation autorisant l'accès à la section suivante. Autant pour moi. En dehors de la première section, celle du thème 1 qui est commune, les autres sections sont au choix par équipe, sans distinction de filière. Il faut donc noter que pratiquement tous les travaux à rendre se feront par équipe d'environ 10 personnes. C'est donc cela que nous disons sans distinction de filière. Chaque membre de chaque équipe dépose lui-même le travail d'équipe individuellement. Les copies à déposer doivent être au format PDF
et devront porter les noms et prénoms des coéquipiers. Une évaluation interactive à correction automatique couvrira toutes les sections du module. Alors, abordons à présent la description détaillée. La section de l'introduction fait l'objet de la première séance. Cette section comprend la présentation de l'auteur et celle du module et sa structuration. Elle se termine par une évaluation interactive qui fait figure de pré-test ou test de positionnement et une ressource à consulter. La section du thème 1, production de documents ou supports numériques. Toujours la première séance. Cette section est consacrée à la prise en main et ou la maîtrise d'outils de base dans l'usage des TIC, ce que nous qualifions de compétences de base. Il s'agit de la maîtrise de Word. Quant à Excel, ça ne sera abordé qu'à la session, qu'aux sessions de renforcement de capacité organisées pendant les vacances scolaires. Donc, il s'agira donc de la maîtrise de Word et de PowerPoint. Les thèmes d'exposé. Le thème 2. Usage pédagogique des ressources TIC. Ici, les élèves maîtres sont invités par équipe. Alors, en parlant d'élèves maîtres, il faut que les apprenants, les inspecteurs pédagogiques de CAFOP, se mettent dans la peau ici d'élèves maîtres. Et donc, dans la restitution, lorsqu'ils seront dans leurs fonctions auprès des différents CAFOP, ce sont donc des consignes qui seront données à l'attention des élèves maîtres. Mais là, dans la pratique de l'apprentissage, les inspecteurs pédagogiques des CAFOP se mettent ici dans la peau des élèves maîtres. Donc, partout où il est écrit les élèves maîtres, il s'agit des apprenants, il s'agit donc des inspecteurs pédagogiques des CAFOP. Les élèves maîtres sont invités par équipe à faire des recherches sur divers outils numériques d'usage courant dans la vie quotidienne et dans les métiers. Ressortir leurs opportunités dans le monde actuel tout en relevant leurs inconvénients. Faire un exposé. Alors, cet exposé sera présenté en classe réelle ou par visioconférence. Ça, c'est à l'attention des élèves maîtres dans le contexte réel, donc en classe réelle ou par visioconférence, ou par dépôt de travaux dans les espaces de dépôt de devoirs dédiés. Mais ici, dans le contexte de la formation des inspecteurs pédagogiques, les exposés se feront par visioconférence et les travaux des exposés se déposeront, n'est-ce pas, dans les espaces de dépôt de devoirs. L'évaluation de ces travaux mesure l'installation de la compétence visée par le thème. Thème 3, planification d'un cours intégrant les ressources TIC. Du mode présentiel, avec l'enseignant en présence d'un groupe plus ou moins nombreux d'élèves, nous passons de plus en plus au mode d'apprentissage à distance, principalement par le biais du numérique. Changement de paradigme. Changement de pratique. Comment donc imaginez-vous construire un processus d'apprentissage efficace par le moyen du numérique? Voici l'enjeu de ce thème. Comment vous imaginez construire un processus d'apprentissage efficace par le moyen du numérique? Tel est donc l'enjeu de ce thème. Les élèves maîtres sont donc invités par équipe à produire des suggestions de pratiques et d'outils afin d'épouser au mieux
le processus d'apprentissage tel que pratiqué classiquement en présentiel. Alors, donc, tel que pratiqué, donc, en tenant compte du test de positionnement, en tenant compte de l'activité d'apprentissage, en tenant compte d'une note, c'est-à-dire l'essentiel que l'élève devait retenir, et enfin, 4, l'évaluation des acquis. Je parle ici d'évaluation des acquis et non de l'évaluation de l'apprentissage, car l'évaluation de l'apprentissage concerne l'évaluation du processus en lui-même. Donc, en quelque sorte, il s'agit donc de l'évaluation du formateur de la formation. Donc, je préfère donc l'expression « l'évaluation des acquis ». L'évaluation de ces travaux déposés dans un espace de dépôt de devoir mesure l'installation de la compétence visée par le thème. Comme j'ai dit, ici, dans la formation des inspecteurs pédagogiques des CAFOP, ce sera un exposé. Chacun des thèmes fera l'objet d'un exposé. Et les différents groupes des inspecteurs des CAFOP doivent choisir chaque thème, faire un choix parmi les thèmes, librement. Thème 4. Recherche d'informations pédagogiques à l'aide d'Internet. Par équipe, les élèves maîtres devront préparer des exposés sur des thèmes relatifs à l'enseignement. Alors, donc, la recherche d'informations et leur synthèse au fin d'une présentation constitue l'installation de la compétence visée par le thème. Alors, ce que les élèves maîtres devraient faire ici, c'est ce que les inspecteurs pédagogiques devront faire. Donc, celui qui choisira le groupe ou les groupes qui choisiront le thème 4 va proposer un thème d'exposé relatif à l'enseignement et donc faire la recherche documentaire pour alimenter leur exposé. Donc, tout ce processus jusqu'à l'exposé, c'est ce qui constituera, n'est-ce pas, leur exposé. C'est ce qu'ils vont présenter devant l'audience que nous constituons. Thème 5. Interactions à l'aide d'Internet entre élèves et élèves-maîtres. Ici, il est demandé d'inviter les élèves-maîtres à organiser entre eux une production collaborative à distance en utilisant les outils qu'ils connaissent ou qui leur ont été présentés par l'enseignant. Donc, il s'agit de tirer parti d'un outil de travail à distance en groupe, se proposer un travail à effectuer à distance, dérouler ce travail et en présenter les résultats. Donc, l'exposé consistera donc en la recherche, n'est-ce pas, du travail à faire à distance, c'est-à-dire de l'objet du travail, du sujet du travail. L'exposé consistera en présenter les différentes étapes de leur travail à distance ou de leur simulation de travail à distance. Et enfin, une conclusion de leur exposé qui portera sur leur appréciation sur l'efficacité ou non de cette méthode de travail à distance qu'ils auront proposée eux-mêmes. Ce travail collaboratif devra se faire dans un espace wiki collaboratif avec une présentation d'un planning de travail comprenant les répartitions de tâches. Donc, le groupe qui aura choisi ce thème devra donc, n'est-ce pas, nous le signifier, afin que nous mettions en place un espace de wiki collaboratif à leur intention. Des outils tels que Google Docs, ils peuvent utiliser Google Docs aussi, ça c'est open source, c'est vraiment libre. Et bien évidemment, des outils de la plateforme CAFOP en ligne peuvent être exploités. Je dirais bien, peuvent être exploités. Au lieu de doivent être exploités.
Alors, thème 6, la recherche documentaire. Ici, l'enseignant donnera un texte sur la recherche documentaire, un texte indiquant la méthodologie de la recherche documentaire. Le volet évaluatif peut consister en une ressource documentaire. Cette ressource, en cliquant sur ce lien, vous avez la ressource que je suggère, soumise aux élèves maîtres, donc aux instructeurs du CAFOP, pour lecture afin qu'ils en produisent une fiche de lecture. La fiche de lecture est téléchargeable dans ce lien, qui peut être fait dans un formulaire Word ou dans un espace Wiki. Pour le moment, puisqu'il y a une fiche de lecture téléchargeable ici, donc c'est l'option formulaire Word qu'on a choisie. L'enseignant sollicitera les services du web pour l'installation de ces supports complémentaires. Là, ces propos sont adressés au professeur de CAFOP sur le terrain. Parce qu'ici, déjà, vous avez ces ressources à votre disposition. Thème 7. Consultation de personnes ressources. La consultation des personnes ressources se fait de plusieurs façons. Par les questionnaires, par une interview, une entrevue, par les focus group, c'est-à-dire les discussions de groupe. Les élèves maîtres peuvent être instruits sur ces différentes façons avec des exemples modèles, avec des exemples et la précision des usages selon la circonstance. C'est-à-dire, selon la circonstance, faut-il utiliser un questionnaire ou faut-il effectuer une interview ou faut-il organiser un groupe de discussion, donc selon la circonstance. Et les élèves doivent être instruits à cela. L'évaluation de cette étape peut consister en une réalisation d'activités de consultation. Alors, donc, les élèves peuvent être invités à réaliser une activité de consultation. Et donc, pour consulter, il faut bien un thème d'enquête. Donc, il faut trouver un thème d'enquête pour les travaux d'équipe. Donc, c'est les inspecteurs eux-mêmes qui proposeront ce thème d'enquête-là pour la consultation pour ceux qui ont choisi le thème 7. Mais pour les élèves maîtres dans les CAFOP, c'est au professeur, il appartient au professeur de proposer le thème. Ils devront apprendre à construire des formulaires Word et des formulaires en ligne tels que Google Form. Ah, ce sont des compétences là. Quand ils ont fini tout ça, j'avoue, à TIC, les élèves maîtres auront une compétence. Et je pense que c'est l'objectif du programme. Évaluation, enfin. C'est la section d'achèvement du cours. Elle prend en compte les évaluations formatives précédentes, c'est-à-dire toutes les notes qui ont été données pendant la formation, les évaluations formatives. Et une évaluation sommative interactive, surtout à la fin. L'obtention d'un minimum de 80% donne accès à un certificat d'achèvement, c'est-à-dire environ 16 sur 20. Donc, si vous avez au minimum 16 sur 20, comment? Si vous avez environ 16 sur 20 dans le cours, vous avez droit à un certificat d'achèvement. Le public cible. Le public cible, hein, ce cours s'adresse donc dans le cadre présent aux inspecteurs pédagogiques des CAFOP de Côte d'Ivoire et à toute autorité de régulation ou enseignante dans un processus de e-learning. Il est en général destiné à tout enseignant formateur désireux d'expérimenter la pratique de l'éducation formation numérique et à distance. Volume horaire. Le LMS, dans le cadre de la CERTEL, dans sa forme plus élaborée, c'est-à-dire détaillée, s'organise en un volume horaire total de 50 heures sur une durée d'un mois. Dans sa forme actuelle,
contractée, elle se déroula en un noyau commun, avec un noyau commun et certaines parties reparties au groupe de travail en termes d'exposé, comme je viens de le dire tout à l'heure. Méthode pédagogique. Cet enseignement est essentiellement pratique et se veut à distance et en auto-formation. En auto-formation parce que toutes les consignes seront disponibles à votre attention, sous forme de texte, sous forme d'audio, sous forme de vidéo, comme actuellement c'est conçu. Les travaux se déroulent en équipe et il appartient à chaque équipe de s'organiser en interne pour se répartir les tâches. Les plans de travail de chaque équipe devront être communiqués et déposés dans l'espace dédié. Toutefois, les évaluations automatiques, telles type QCM ou autres, sont individuelles. Vous avez ici un exemple de répartition par groupe. Nous pensons avoir été assez explicite quant à l'organisation de ce cours. Et les groupes qui sont proposés ci-dessous sont à consulter. Et à partir de ces groupes-là, vous êtes invités à constituer des équipes d'environ 10 membres pour travailler sur les différents thèmes d'exposé précédemment énumérés. Je vous remercie pour votre attentionnée écoute. Bon courage pour la suite du travail. Au revoir.